Bonjour à toutes et à tous, je suis Kim de Space News. Nous sommes le dimanche 28 janvier 2024. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure pour le 4e webinaire de la série annuelle des Galactiques 2024, dont le thème aujourd'hui est « Le déluge raconté par des extraterrestres ». Je rappelle que tous les thèmes des webinaires sont de sources extraterrestres, purement extraterrestres, vus et racontés à l'écrit et en audio par mes contacts extraterrestres, notamment Zen, dont j'ai enregistré les conversations écrites et orales. Ce n'est pas de la télépathie ni de la canalisation. Alors le mot déluge, du latin diluvium, qui veut dire inondation, peut aussi bien signifier un envahissement de la terre par les eaux que des pluies diluviennes. Il peut donc définir une brusque montée des eaux ou des inondations à la suite de pluies battantes et continues, comme les inondations dévastatrices, les glissements de terrain importants et les tsunamis qui se produisent de nos jours tout autour du globe. C'est le récit du déluge biblique qui est le plus connu. Au début du récit, Dieu constate que la population terrestre s'est rapidement développée et que les terriens ont l'esprit tourné vers le mal. Il s'adresse donc à Noé, qui est resté intègre, et le prévient qu'une catastrophe va avoir lieu. Il lui demande de construire une arche en bois pour sauver un couple de chaque espèce animale vivant sur Terre. Dieu fait alors s'abattre des pluies torrentielles qui entraînent une rapide montée des eaux et toute la vie sur Terre est engloutie. La pluie tombe pendant 40 jours, presque un mois et demi, de manière si violente que l'eau dépasse le sommet des montagnes. Après la décrue, Noé lâche une colombe qui revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Il sort de l'arche et fait débarquer les animaux pour qu'ils se reproduisent. Dieu jure alors de ne plus saccager la terre. Ce récit biblique n'est pas le seul à relater ces événements. Il y eut d'autres récits très similaires qui l'ont précédé, comme le déluge de Deucalion, raconté dans les Métamorphoses du poète latin Ovide. Le récit le plus ancien du déluge, qui a précédé ce récit biblique, et qui a probablement été repris dans la Bible, date de 2700 ans avant Jésus-Christ, et c'est un texte sumérien mentionné dans l'épopée de Gilgamesh. Certains historiens avancent dorénavant l'hypothèse selon laquelle ces récits seraient les lointains héritiers des souvenirs de la dernière glaciation qui s'acheva il y a près de 12 000 ans. Et c'est précisément aux environs de ce temps chronologique terrestre, il y a 12 500 ans, que la Lune, qui est une biosphère artificielle, fut amenée par des extraterrestres pour réguler l'orbite et le climat de la Terre. Ces dérèglements, l'inversion des pôles, les tremblements de terre et le déluge, disent-ils, ne sont pas naturels, mais les conséquences de guerres violentes entre différentes lignées extraterrestres. Reprenons donc l'histoire au moment où la planète Tiamat n'a pas encore disparu. Cette planète faisait environ 80% de la taille de Neptune et elle était plus proche de la Terre que Mars ne l'est aujourd'hui. C'était une planète composée essentiellement d'eau, qui était très lumineuse, car l'eau fonctionnait comme un miroir et reflétait la lumière du soleil. C'est pourquoi les anciens l'appelaient le second soleil. les archives anciennes, les tablettes sumériennes, des textes anciens de Chine, du Japon, où le Popol Vuh, d'origine maya, évoque ce second soleil. Mais ce qu'il percevait comme un second soleil n'était autre que la planète Tiamat. La Fédération Galactique s'était formée en rassemblant des alliés pour mettre fin aux colonisations qui étaient faites par les draco-reptiliens. Ces derniers, apprenant que la Fédération Galactique les recherchait pour avoir violé d'innombrables règles et lois spatiales, ont mis en place une base fictive sur la planète Tiamat et ils se mirent à transmettre des signaux qui étaient des leurs. Leur but était de prendre la Fédération en embuscade. La Fédération, qui avait déjà perdu le contact avec les colonies Lyria-Gaia des Lyriens et la Lémurie des Pléiadiens, était déjà en route pour comprendre pourquoi le contact avait été perdu. Une armada d'immenses vaisseaux spatiaux de combat, dirigés par des équipages pléiadiens de Taygete, se rendit à Tiamat pour enquêter sur les signaux et, malheureusement, ils tombèrent dans l'embuscade. Il y eut d'énormes combats spatiaux, aux proportions épiques, même selon les normes d'aujourd'hui, sur Tiamat et sur Mars, qui ont abouti à la destruction de 75% des forces de la Fédération et autant pour les draco-reptiliens. Ils se pourchassaient entre Tiamat et Mars, en utilisant des armes de destruction massives à énergie thermonucléaire, ce qui a déstabilisé la planète Tiamat en créant des ondes de choc ininterrompues et donc des tsunamis dans son océan qui couvrait toute la planète. Ces ondes de choc ont entraîné la déviation de sa magnétosphère et à la suite la destruction totale de la planète. La surface de Mars a également été dévastée par ses armes nucléaires et énergétiques. Elle ne s'est pas détruite d'un seul coup. Elle s'est désintégrée en mettant le chaos aux dynamiques délicates qui existent entre les planètes de notre système solaire. Cette onde de choc a déclenché une série de cataclysmes sur toutes les planètes et cela créa une nouvelle distribution orbitale des différentes planètes de notre système solaire. Tiamat s'est d'abord désintégrée, lambeau par lambeau, qui font maintenant partie de la ceinture d'astéroïdes. La Terre, à cette époque, était presque entièrement recouverte de forêts denses et elle avait 5 grandes masses terrestres: Amérique, ce qui correspond maintenant à l'Amérique, l'Eurasie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique, et non 7 comme maintenant. Puis c'est l'eau de Tiamat qui s'est déversée sur la Terre, qui était plus proche, et sur Vénus. Des parties des masses terrestres, comme Atlantis dans l'océan Atlantique et la Lémurie en Océanie, furent submergées et le déluge a entraîné la destruction de la civilisation reptilienne de l'Atlantide et la civilisation holographique de la Lémurie, ce qui sur Terre fut appelé le déluge, qui n'était rien d'autre qu'une partie de l'eau de Tiamat qui se déversait sur Terre. Cette onde de choc et la déstabilisation de l'orbite terrestre est ce qui a également provoqué un déplacement des pôles en raison de l'altération des champs magnétiques. La surface de Mars a également été totalement dévastée, ce qui fait que ses habitants, distribués encore actuellement en 3 grandes colonies, évoluent pour la plupart dans des bases souterraines. Cette confrontation et les combats en cours sur Terre actuellement est la continuation des guerres d'1 million d'années, aussi appelées les guerres d'Orion. Elles ne sont pas encore terminées. Mais la grande différence est que maintenant, la Fédération Galactique a la supériorité sur ces lignées de draco-reptiliens. Après, c'est destruction sur Mars, l'altération de Vénus et l'état cataclysmique de la Terre. Il n'est resté qu'un tout petit groupe de Lyriens et une colonie draco-reptilienne très largement détruite et sans technologie extraterrestre. Ces Lyriens ont été capturés par les draco-reptiliens. Ils les ont réduits en esclavage juste avant le déluge et les ont appelés, comme vous le savez déjà, les Adans, ce qui signifie les terreux, les cutéreux, comme disait Guillaume, les glaiseux. Puis ils les ont reprogrammés par la manipulation mentale ou par l'éducation, les forçant à se soumettre à leur manière d'être draco-reptilienne, à leur valeur, et en leur inculquant une nouvelle version de la réalité où tout le passé extraterrestre des populations terrestres a été effacé. C'est la version que vous connaissez, celle que vous avez apprise. Ces Lyriens esclaves de la race adamique sont les ancêtres des humains terriens d'aujourd'hui. Nos ancêtres. La bulle électromagnétique qui entoure la Terre a été créée après l'arrivée de la Lune, qui est une biosphère artificielle placée là où elle est pour stabiliser l'orbite et le climat de la Terre. Ce qui a permis à la Fédération Galactique, c'est la Fédération Galactique qui l'a fait, de mettre en place le système de diminution des fréquences terrestres en 3D, juste après le déluge. À cette époque, la Fédération était très faible et elle faisait face à de nombreux problèmes, notamment à cause des cataclysmes. Et c'est elle qui a choisi d'installer une barrière électromagnétique, une bulle électromagnétique autour de la Terre, en guise de mur de défense et d'emprisonnement de la colonie draco-reptilienne qui existait encore sur Terre. Mais ce faisant, elle a aussi enfermé le groupe de Lyriens, les esclaves. Vous pouvez regarder ma vidéo numéro 2 pour découvrir et comprendre comment le système fonctionne. Il est projeté depuis l'un des vaisseaux qui a été appelé Luna, la Lune. C'est un vieux vaisseau biosphère qui appartenait aux Andromédiens et il fut utilisé pour empêcher les reptiliens négatifs de s'échapper et de laisser du temps aux membres de la Fédération de se réarmer, de se reposer et de revenir pour terminer le travail. Et c'est ce qu'ils font actuellement. C'est ainsi qu'est née la matrice 3D. Les survivants du déluge, de cette énorme inondation, ce qui restait de la Lémurie, des Lyriens et des Taygete, a émigré principalement vers les côtes du Japon, une partie de l'Amérique du Sud et la côte ouest des États-Unis, dans l'Atlantique, ce qui restait de l'Atlantide. Les reptiliens et les esclaves survivants se sont déplacés vers les hauts plateaux de l'Écosse et d'Irlande, et de là, ils sont allés vers l'Égypte. Les humains terriens, qui sont les descendants des Lyriens, regroupés en races adamiques, n'ont pas été créés par les draco-reptiliens, car leur plan de transformer leur ADN n'a pas fonctionné, parce que ce sont les Lyriens esclaves eux-mêmes qui l'ont empêché en raison de leur haute conscience et de leur profonde spiritualité. Ce que disent les tablettes sumériennes ou le Popol Vuh, c'est l'information, ou la Bible, c'est l'information qui a été fournie et ou réécrite par les draco-reptiliens, la version des vainqueurs, et c'est leur point de vue relaté pour contrôler les humains lyriens. C'est l'histoire refondue par les vainqueurs qui suit un ordre du jour. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans les tablettes sumériennes que c'est la vérité. Il est écrit par les vainqueurs qui suivent leur agenda, qui se renouvellent au fil des siècles, et celui qui est en cours actuellement, qui est la suite de tout cela, est l'agenda 2030. Les êtres humains sur Terre sont les descendants des Lyriens de la race adamique et leur ADN est complet. Il est seulement désactivé en partie, pas par des interventions génétiques physiques ou par un tube à essai, mais par la manipulation de la conscience humaine. C'est la conscience qui active, désactive et réécrit un gène, une chaîne de gènes ou toute la séquence de la génétique d'une espèce, et c'est aussi la conscience qui crée une nouvelle espèce de cette manière. Ce n'est pas fait par des mutations aléatoires ou par une sélection naturelle des espèces. L'un des vaisseaux scientifiques de l'équipage de Zen a étudié l'ADN des terriens modernes et a confirmé que l'ADN est complet. C'est l'éveil spirituel de l'humanité qui réactive et réactivera davantage son ADN original, car il est désactivé actuellement en partie à cause du contrôle mental qui est exercé sur les populations. La seule chose qui limite les humains est l'idée ou la croyance qu'ils sont limités. Voilà, ma présentation est terminée. Si vous avez des questions sur ce thème en particulier, vous pouvez les poser. Nous allons commencer par la première question qui est posée par Elena. Et quelle était la température du cosmos? J'explique ma question. Tiamat est détruite et qu'il y avait des morceaux de glace qui vont vers la Terre. L'atmosphère de la Terre actuelle, elle est à moins de 297 degrés. Comment l'eau a pu garder son état liquide pour arriver sur la Terre? Est-ce qu'il n'y avait pas d'eau du tout sur la Terre? Si, je pense qu'à l'époque, il y avait déjà de l'eau sur la Terre. Zen m'a dit que la température du cosmos n'était pas celle qui est précisée ici sur Terre et qu'en fait, ils pouvaient très bien sortir avec leur uniforme de vol sans autre protection. Enfin, je me suis posé aussi la question de savoir comment cette eau avait pu tomber dans les conditions actuelles de description du cosmos ici sur Terre. Mais d'après Zen, ça n'est pas exact. Louisa? C'est par rapport à Tiamat en fait et la Terre. Je voulais savoir si la Terre est une partie de Tiamat et si oui, où est-ce qu'elle se situe par rapport à Tiamat? Vous me demandez si Tiamat a impacté la Terre et qu'elle se trouve dans la Terre actuellement, c'est cela? Est-ce que la Terre, est-ce que c'est une partie de Tiamat? Et si oui, où elle se situe cette partie? Non, non, elle ne fait pas partie de Tiamat. Tiamat s'est désintégrée complètement. Il n'y a pas de partie. Il n'y a pas de partie de Tiamat ici sur Terre et la Terre ne fait pas partie de Tiamat. C'est vrai qu'il y a quelquefois, il y a même des scientifiques qui disent que la Terre a été impactée par une planète plus petite, mais c'est inexact. Autre question, si je peux me permettre. J'ai entendu parler de Nibiru qui revenait. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Il est vrai que Nibiru, ça a été le second soleil décrit par les anciens, et notamment par Sitchin, mais c'était Tiamat. François? Dans la Bible, bon, il y a des choses qui sont romancées, mais je voulais savoir s'il y avait quand même une part de vérité. Quand on nous dit que certains êtres humains, dont Noé, ont été prévenus de la survenue du déluge, donc est-ce qu'il y a vraiment des humains qui ont été prévenus? Alors que vous semblez dire que c'est arrivé suite à une explosion, donc on n'a pas trop le temps de prévenir des êtres humains. Donc je veux savoir si ils ont quand même été prévenus par des extraterrestres ou autres pour se préparer. L'histoire, c'est celle que je vous ai racontée. Le récit de la Bible, c'est un mythe. Donc Dieu aurait averti Noé, par exemple, ou peut-être des groupes d'humains, par télépathie ou bien par canalisation, par ce style de communication. Ou peut-être parce que Noé ou des groupes d'êtres humains qui étaient à cette époque. Le dernier groupe de Lyriens qui restait est un groupe de draco-reptiliens. Donc ce que vous lisez dans la Bible, c'est un récit qui a été réécrit, réorganisé. Et en admettant qu'ils aient été prévenus pour se préparer, combien de temps il se serait passé entre l'explosion et le déluge? C'est une histoire de minutes, de jours? Non, c'est-à-dire que ces cataclysmes humains et Tiamat qui se désintégrait à la suite de ces tirs violents. Ça a pris pas mal de temps avant qu'elle ne se désintègre complètement. Donc les cataclysmes ont duré longtemps. Par contre, les guerres, ça n'est pas qu'un seul jet, si vous voulez. C'était des guerres qui se sont suivies. Donc les colonies de Lyriens, de Pléiadiens, Lyria-Gaia et la Lémurie, tout autant que les proto-humains, puis les draco-reptiliens. Tous ces groupes voyaient bien qu'il y avait des changements qui se produisaient. C'est vraiment la désintégration de Tiamat qui a été impactée par des ondes qui ont traversé ces océans et complètement déstabilisé son orbite et sa magnétosphère. Ça ne s'est pas produit comme ça d'un seul coup. Mais les conséquences des guerres, ça a duré pas mal de temps. Irina. Est-ce que pendant le temps de ces guerres sur la Terre ou sur Tiamat, il y avait des technologies comme ces jours pour faire de l'électricité avec les barrages sur les rivières? Et est-ce que, parce que j'ai entendu que sur la Terre, tous les barrages pour faire l'électricité sur les rivières partout dans les années à venir, peut-être en année, peut-être 20 années, tous ces barrages vont être démontés et comme ça, on aura des grandes déluges. Ça n'était pas le seul, il y en a eu d'autres avant et il y en aura peut-être encore d'autres après. L'électricité était produite puisque les lignées extraterrestres qui avaient débarqué sur Terre avaient des capacités technologiques avancées. Ils pouvaient la produire grâce aux pyramides. Ginette? On dit qu'on a trouvé l'arche de Noé. Est-ce que c'est comme vraiment ce qu'ils ont trouvé? Des pièces d'arche? Alors l'arche de Noé, ça fait référence à quelque chose qui est tout à fait différent, qui avait été créé au départ par la déesse Ishtar, qui a été développée en plusieurs exemplaires. Mais cela aussi, vous pouvez prendre connaissance de ces éléments en regardant la vidéo sur Ishtar. Sonia? Ma question, c'est au sujet de le dôme qui est projeté par un vaisseau endommagé qui est électromagnétique. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus projeté? Ça fait quand même plusieurs siècles, là, si on se fie à la date. Puis le vaisseau endommagé, et puis comment ça fonctionne un peu électromagnétique? Si il envoie, mettons, un missile, je pensais que c'était plus une matière gélatineuse. Alors, il faut que vous regardiez ma vidéo numéro 2 sur ma chaîne où c'est expliqué. Donc, ce vaisseau, il était une biosphère andromédienne qui était endommagée pendant des guerres, celle-ci et d'autres, a été pilotée, parce que c'est un vaisseau spatial que l'on peut piloter et qui est normalement utilisé dans l'espace profond, qui ne s'approche jamais d'une planète et qui a été amené par les Andromédiens et laissé là pour stabiliser l'orbite de la Terre et pour que la Terre retrouve une stabilité. Donc ça, c'était l'objectif premier. Et lorsqu'elle a été amenée, la Fédération Galactique a décidé, parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens, elle était très affaiblie, il fallait qu'ils se reposent, qu'ils retrouvent des armes qui repartent sur leur planète. Donc ils ont mis en place cette bulle électromagnétique, ça n'est pas un dôme c'est au-dessus, là c'est tout autour de la Terre. C'est un peu comme si vous lancez une bulle d'air dans de l'eau, au fond de l'eau, dans cette bulle d'air, il y a une planète. Donc cette bulle, c'est la bulle électromagnétique qui est gérée depuis 12 réacteurs qui se trouvent sur la Lune pour pouvoir emprisonner les draco-reptiliens parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils continuent leur colonisation de ce cadran de l'espace qui était déjà bien colonisé, surtout à partir de la constellation de la Lyre et les planètes Lyra et Avalon. La Fédération a enfermé la Terre dans cette bulle pour emprisonner les draco-reptiliens. Mais ce faisant, ils ont évidemment aussi, en même temps, emprisonné tout ce qui était sur Terre, c'est-à-dire la flore, la faune, et évidemment aussi les draco-reptiliens. C'est expliqué dans la vidéo numéro 2 sur ma chaîne. Maria, vous parliez des humains. La race adamique, ce sont les Adans. Voilà, les Adans, donc des humains, qui ont gardé leur ADN au complet et qu'il faudrait retrouver sa conscience pour pouvoir transpercer cette bulle électromagnétique. Est-ce que la méditation nous y amène, ou des prises de conscience, ou un savoir? Tout l'ADN de l'humain est complet. Il n'a pas été transformé. C'est la conscience, la profonde spiritualité qui permet de transformer l'ADN. François. Vous dites qu'il y a une bulle électromagnétique qui nous empêche de sortir. Dans ces cas-là, comment on a fait pour marcher sur la Lune? Eh bien, la bulle électromagnétique ne permet pas à des vaisseaux de type terrien de sortir. Mais on peut la traverser lorsque une lignée extraterrestre est capable de changer les fréquences de son vaisseau. On peut traverser cette bulle électromagnétique à condition d'avoir les technologies appropriées. Ania? J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les reptiliens ont compris la technologie avant les Lyriens, Pléiadiens pour passer vers la bulle, communiquer avec leurs frères? Les Lyriens ont été l'un des premiers groupes extraterrestres à débarquer ici sur Terre. Le petit groupe des Lyriens qui restait après le déluge et le groupe draco-reptilien qui était là n'avaient plus aucune technologie, n'avaient absolument plus rien. Et donc ces technologies sont revenues sur Terre grâce aux draco-reptiliens qui sont venus de l'espace pour aider leurs confrères ici sur Terre. Et pourquoi les Lyriens Pléiadiens n'ont-ils pas venu premiers pour aider leurs confrères? Parce que les Lyriens et les Pléiadiens qui faisaient partie de la Fédération Galactique n'ont pas pu revenir parce qu'ils étaient complètement à bout de leur capacité. Ils étaient faibles, ils n'avaient plus d'armes, ils devaient repartir sur leur planète pour pouvoir tout réorganiser et revenir pour terminer le travail. Donc c'est le travail qui se fait aussi actuellement. Louisa? J'ai une question par rapport à l'ADN humain. Alors j'ai bien compris que du coup ça nous éveillait à nos capacités intrinsèques, naturelles. Et est-ce qu'on a aussi cette... capacité à faire cesser ces guerres de pouvoir en activant le maximum de nos brins d'ADN? Est-ce qu'on a cette capacité, nous aussi, de pouvoir interagir et d'éviter que ces guerres de clans, de pouvoir persistent? Si les 8 milliards d'humains sur Terre le font, bien sûr. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait la qualité. Je pense que ce n'est pas tant la quantité, c'est surtout la qualité qui peut faire la différence. Vous seul, non, parce que vous devez affronter des personnes qui sont extraterrestres, donc qui ont des connaissances que vous n'avez pas. Au lieu de penser à arrêter des ennemis, vous devez d'abord et avant toute chose vous réaliser. Une fois que c'est fait, vous attirez vers vous d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Et c'est cette force, donc c'est à la fois une force en termes de nombre et, comme vous le dites, de qualité, c'est-à-dire de réalisation, de l'illumination. L'illumination, c'est percer le voile de l'oubli. Ce sont les deux. J'avais bien compris que tout partait de nous. Et qu'il ne suffisait pas d'arrêter quelque chose, mais c'était par notre processus à nous qui allait faire la différence sur ce qui se passe sur le plan terrestre et galactique. Donc ça, je l'avais bien intégré. Et j'avais bien intégré aussi le fait de cheminer dans ce processus d'illumination pour se révéler, allait permettre aussi des prises de contact et du coup de renforcer cette capacité avec des associations beaucoup plus belle entre guillemets et qui allait permettre justement sur le plan énergétique d'envoyer des ondes bien plus belles qui permettent de repousser mais de façon naturelle. La chose à faire, ça n'est pas de penser à ce que vous allez pouvoir changer à l'extérieur de vous. Les autres, c'est leur responsabilité et aussi la chose la plus extraordinaire qui soit de traverser le processus de l'illumination. C'est la responsabilité de chacun. Quand chacun prend cette responsabilité, le fait, le réalise, sans faire quoi que ce soit d'autre, eh bien, ça transforme la qualité de la matrice que nous créons nous-mêmes. Non seulement elle est contrôlée depuis la Lune, mais aussi nous la créons. Donc chacun change, et parce que chacun en soi change, ça change aussi la réalité. Charles. Il a été question de manipulation du mental là, dans les derniers instants de votre exposé. Vous pouvez en dire plus là-dessus ? La manipulation mentale, c'est la création d'une réalité qui ne correspond pas à la réalité originelle. Mais ce sont des programmes qui existent, qui sont créés de toutes pièces, même encore de nos jours et depuis très longtemps, depuis des siècles, et qui limite l'humain dans son appréciation d'elle-même ou de lui-même. C'est parce que les terriens, les terriennes pensent qu'elles ne peuvent pas être quelque chose d'autre que ce qu'ils ou elles sont. Ce ne sont pas seulement des programmes secrets, ce sont tous les programmes d'éducation, de religion, de croyances, qui sont mis en place et acceptés de rechef par les terriens et terriennes sans être questionnés. Donc c'est toujours actif ? Ah oui, bien sûr, c'est toujours actif, oui. Et qu'est-ce qui peut mettre fin à ça ? Vous pouvez seul le faire, en vous questionnant, en méditant, en traversant le processus de l'illumination, en percevant la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on essaye de vous la présenter. Alain, et ce sera la dernière question. Pourriez-vous repréciser, après le déluge, quelles sont les régions, quelles races ou populations à réoccuper ? Donc les survivants du déluge, c'est-à-dire cette eau qui est tombée de Tiamat, qui a inondé la Terre à tel point que des parties de continents entiers comme l'Atlantide et la Lémurie ont été submergées. Et ce qui restait des habitants a émigré principalement vers les côtes du Japon, vers une partie de l'Amérique du Sud, parce que les continents n'étaient pas positionnés de la manière dont ils le sont maintenant, et dans l'Atlantique, c'est-à-dire de la côte est des États-Unis, ce qui restait de l'Atlantide, les draco-reptiliens et leurs esclaves survivants, c'est-à-dire les Lyriens qu'ils avaient capturés et qu'ils avaient transformés en esclaves, se sont déplacés vers les hauts plateaux de l'Écosse et de l'Irlande, et de là ensuite ils se sont déplacés vers l'Égypte. Et ils ont commencé à construire l'Empire romain. Voilà, merci pour votre présence et vos questions, toujours intéressantes. Je vous remercie beaucoup et puis on se retrouve dimanche prochain, le 4 janvier, avec une nouvelle série de 4 présentations qui seront toutes orientées vers les planètes occupées par des extraterrestres, la création de la bulle électromagnétique, comment ça fonctionne, parce que je n'avais pas fait de vidéo sur la Lune et les réacteurs depuis au moins 2 ans. Donc, je vais vous apporter les dernières informations. Voilà, j'espère vous voir très nombreuses et nombreux à ces webinaires. En attendant, portez-vous bien.